Des routes submergées par les eaux de pluie, des champs inondés. À Bobo-Dioulasso, les saisons de pluie se suivent et se ressemblent. La ville de Sia, très bien arrosée à chaque saison pluvieuse et conséquence de ce trop-plein d'eau, des voies dans la plus grande majorité impraticables et cela n'est pas sans causer quelques désagréments. On fait le constat sur place avec Arainatou Taraboro, Moussa Tamboura et Kadou Romenki. Ce sont des herbes couchées par les eaux de pluie. Il semble que le ciel ait suffisamment ouvert ses vannes, sinon même trop du goût de certaines personnes, à l'image de ces riverains du pont de l'Éguément. Des riverains qui sont inquiets de la quantité d'eau qui déferle ici, après une forte pluie. Quand la pluie pleuvait comme ça, vraiment dit, ça monte jusqu'à à nos champs. Bon, c'est la deuxième année que cela se produit. L'année dernière, l'eau avait aussi envahi nos champs. Ce matin, on a quitté l'Éguement. Arrivé au niveau du pont, il y avait trop d'eau. On ne pouvait pas passer. On a patienté environ une heure avant que l'eau ne libère la voie. Excepté quelques butines du centre-ville, les ruelles, les 6 mètres et les grandes routes de Sia sont truffés de nids de poules. Une situation qui n'est pas pour faciliter les choses en cette saison des pluies. Je suis en panne parce que ma voiture a pris l'eau. Je suis arrêté depuis 10 heures et je perds trop de clients. Or, je suis en location. Si je ne rapporte pas mon 10 journalier, le propriétaire de la voiture peut me la retirer. Quand il pleut comme ça, là, ça nous fatigue. Si vous voulez faire un dos d'âne, c'est bon. Ça nous arrange. Ça nous a franchement dit, quand ça dépasse comme ça, là, on est obligé de prendre une autre voie encore pour rentrer. C'est pas facile. Quand il pleut beaucoup, nous aidons les gens à traverser la voie, tout en évitant qu'ils rentrent dans les trous. À Bobo-Dioulasso, les saisons passent et se ressemblent. Chaque saison des pluies transforme la ville en un vaste champ d'eau et de boue. Et à chacun sa gymnastique pour le trajet domicile-service et vice-versa.